Good morning, Aleiden. Je suis aujourd'hui le Nishmat, le Rabbi Shmuel ben Shlomo Zalman Nissim ben Aouda, Sarah Batrana Rachel Shlomo ben Esther, et Shabbat Chaim Nechemia. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5e unité éternelle. Nous étudions un Sechet Zachim, Perek Gimel, Perek Bet Mishnah Gimel. Ze Aklal, Kola Shochet, Va Mekabel, Va Mehalech, Va Azorek Lechol, Davar Shidarko Lechol, Leaktir, Davar Shidarko Leaktir, Chutz Limkomo, Pasul Ven Bokaret. חוץ לזמנו, פיגול וחייבין עליו כרת, ובלבד שיקרב המתיר כמצוותו. On continue dans cette Mishnah, le sujet introduit hier, de pigoul, le fait d'égorger un korban en ayant l'intention de le consommer. חוץ לזמנו ou חוץ למקומו, au-delà des limites de temps permises ou au-delà des limites de lieu, d'espace permises. Comme ce qu'on avait expliqué, chaque korban doit être consommé selon une durée limitée, en général un jour, parfois pour le shlamim on a même deux jours, et il doit être consommé selon des limites d'espace bien définies. Il y a les kodshi kodashim, ce sera dans l'enceinte du betamikdash. Pour les kodashim kalim, les autres sacrifices un peu plus de kdusha, moins hautes, on pourra les consommer dans tout Yerushalayim, comme le Korban Pessah, qu'on aura le droit de consommer dans tout Yerushalayim. En tout cas, si on pense à le consommer en dehors du lieu permis, en dehors d'Yerushalayim, ou en dehors de la Hazara, ou même si on pensait verser le sang en dehors du lieu permis, du lieu où il faut le verser dans la Hazara, mais en voulant le verser en dehors, genre il voulait gorger, récupérer le sang et aller le verser à l'extérieur, je ne sais pas pourquoi, et bien dans ce cas-là, il va rendre invalide le korban, il va le rendre pasoul. Et s'il pense à le faire chutz limzmano, à l'extérieur des limites, au-delà des limites de temps permises, alors là, il y aura même un interdit de pigoul, il sera répugné, et celui qui le consommera sera passible de karet, même s'il le consomme tout de suite, durant la limite permise, parce qu'il a invalidé le korban de la sorte. D'accord ? Je sais bien que c'est des notions nouvelles, assez compliqué pour celui qui les a jamais entendus. C'est d'ailleurs la parasha de Tzav, on va lire prochainement, Bezrat Hashem, où on va parler de ça. Il y aura un pasouk, Veim Achol, Yachel, Bayom, Shishi, Pigoulou, Loyeratze, là-bas, c'est écrit dans le pasouk. On expliquera l'intérieur du pasouk. Regardez, j'ai calculé que Bezrat Hashem, d'ici la fin de la semaine, vendredi, on va arriver à la fin du Perek Bet. Ça nous fera, Bezrat Hashem, 4 Mishnayot qui traitent de ce même sujet assez compliqué, de Pigoul. Pendant Chol HaMoed ensuite, il n'y aura pas de cours de Mishnah parce que le Dimat il baisse toujours. Ce sera l'occasion pour vous, si vous voulez, je vous conseille vivement même, de prendre un petit moment par jour et de reprendre, soit avec le cours, soit de reprendre tout seul la Mishnah, d'essayer de lire toutes les notions nouvelles. C'est très simple. Il faut juste s'habituer à les gérer. Et c'est qu'avec le temps et en le reprenant et les reprenant et les reprenant qu'à la fin, ça rentre dans la tête, ça rentre dans le cœur et on commence à vivre facilement ces notions et à jongler ensuite avec. D'accord ? Donc, Bezrat Hashem, je vous souhaite vivement, pendant le mois, de le reprendre. Pour le moment, on continue la Mishnah Gimel, qui va nous donner la généralité de ce qu'on a expliqué à l'oral. Avec, à présent, ça va nous... on va rappeler une notion aussi qu'on avait expliquée dans la fin du Perek précédent, qui a 4 avodot dans un korban. Shrita, Kabbalah, Holacha, Zrika. Les 4 avodot, les 4 services nécessaires et qui peuvent invalider le korban si elles sont faites avec une mauvaise intention, qui sont shrita, égorger le sacrifice, kabbalah, récupérer le sang, holacha, transporter, amener le sang sur l'autel, vezrika, asperger, jeter, verser le sang sur l'autel. C'est les 4 avodot. On va présent apprendre dans notre Mishnah que si on a fait l'une des 4 avodot avec l'intention de le consommer ou de faire brûler les imourim, les parts qui reviennent au Misbéach, au-delà du temps permis, au-delà des limites permises, alors là, on invalidera le korban. Si on s'est trompé avec l'espace-temps, alors le korban sera pigoul et il y aura un interdit de karet. Et si on s'est trompé juste avec au-delà des limites d'espace, alors le korban sera juste invalide, il sera pas soul, mais il sera pas pigoul, il n'y aura pas d'interdit de karet. C'est clair ? Regardez, on fait tout ça dans les mots, vous allez voir que c'est facile, avec à la fin, bien évidemment, une phrase qui va nous compliquer la tâche, qui sera développée dans la prochaine Mishnah ensuite. Zehaklal, telle est la règle. Kol ha-shochet,
toute personne qui va égorger, Vea Mekabel, qui va réceptionner, Vea Mehaler, qui va transporter, apporter le sang, Vea Zorek, qui va asperger, Lechol Davar Shedarko Lechol, s'il a l'intention de consommer quelque chose que l'on a l'habitude de consommer, entre parenthèses à exclure, le cas qu'on rapportait hier, s'il avait l'intention de manger les ongles, ou de manger les cornes, ou de manger la peau à l'extérieur, dans un endroit, donc, d'accord, avec la mauvaise intention, donc l'échol, davar, shedarko, l'échol, avec l'intention de consommer quelque chose qui est comestible, ou l'éhaktir, davar, shedarko, l'aktir, ou encore de faire monter sur l'autel quelque chose qu'il doit faire monter sur l'autel, alors, s'il a l'intention de le faire chutzlim komo, au-delà des limites d'espace, ouais, littéralement, à l'extérieur de son lieu, au-delà des limites d'espace permises, chaque chose selon sa règle. Alors, pasoul ven bokaret, le korban sera pasoul, invalidé, ven bokaret, mais il n'y aura pas en cela un interdit de karet si on va quand même le consommer. Mais si l'intention était chutz lizmano, à l'extérieur de son temps, c'est-à-dire au-delà des limites temporelles permises, imposées par la Torah, chaque korban selon sa règle, si ce korban Pessah, il a eu l'intention de laisser un morceau de chair pour le lendemain, il a eu l'intention de faire monter une part des graisses sur l'autel le lendemain matin, alors dans ce cas-là, il sera pigoul, vechayavin, alav, karet. Le sacrifice sera non seulement invalidé, mais il sera même répugné. Le mot pigoul, ça veut dire le fakel, ça veut dire répugné, comme ça c'est traduit, rebuté, répugné par le rabbin Zadok Khan, la Bible traduite sur Internet. Et vechayavin alav karet. Et on sera passible d'un riouv karet de retranchement si on consomme cette chair. Aval, attention, à une seule condition. Ou bilvad, sheikrav, hamatir, kemitzvato. Littéralement. À l'unique condition que chez Yikrav, que l'on apportera à Matir, celui qui permet Kemitzvato, comme la loi le préconise. De quoi on parle? Je vous jette le principe très simple, il sera redéveloppé dans la prochaine Mishnah Bezrat Hashem Dalet. Le principe est simple. Les quatre avodot, on récupère le sang et on va le verser sur l'autel. Lorsque l'on verse le sang sur l'autel, c'est ce qu'on appelle faire l'action qui est matir, l'action qui va permettre la consommation du korban de manière générale. Il y a une condition pour rendre le korban pigoul et passible d'un chiouf karet de retranchement si on le consomme, c'est que, à part ce bug d'intention, avec l'intention de le consommer michoutz les mano, au-delà des limites permises, on n'a eu aucune autre mauvaise intention sur ce korban. Mais si toutefois on a égorgé le korban, on a reçu le sang, avec intention de verser le sang à l'extérieur, au-delà des limites permises. Je me suis dit, je vais verser le sang demain. Mais quoi? Après, lorsqu'il a versé le sang, il avait l'intention de... Il s'est trompé, il avait l'intention aussi de l'invalider d'une autre manière, en disant que maintenant, ce korban, bon, c'est un Pessah, mais je le verse le sang comme si c'était un khatat. Il a embrouillé les autres intentions. Donc le sang... Il y a eu deux intentions qui se sont mélangées dans la avoda du sang, dans le service fait avec le sang de le verser au misbéach. Le korban ne sera plus pigoul. J'illustre concrètement. J'ai mon korban Pessah. Donc, je dois récupérer le sang, l'amener sur l'autel. Je suis un Kohen. Je dois l'amener sur l'autel et le verser avec l'intention que c'est un korban Pessah qui va être consommé durant la nuit et c'est tout. Ce qui se passe, c'est que je récupère le sang avec intention de consommer le Pessah jusqu'au lendemain matin. Et pendant que je marche, je me dis, tu sais quoi? Je suis en train d'apporter en ce moment un sang d'un korban khatat. Alors là, dans la avoda du sang, donc les quatre avodotes, j'ai fait une grande salade. J'ai eu deux intentions. L'intention du pigoul, mais aussi une intention qui invalide de toute façon le korban. Puisque le korban... il est de toute façon invalidé, non pas uniquement à cause du problème du temps, mais avec en plus de ça une autre intention que tu l'as fait chez l'olishmo. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle que tu n'as pas fait le matir kemitzvato. Le sang qui est censé permettre le korban, il n'a pas été versé kemitzvato comme la halakha le préconise.
Et donc, dans ce cas-là, il n'y aura plus de chiyuv, karet. Ne vous affolez pas. Demain, Bezrat Hashem, on reprendra la Mishnah d'Alet, qui va commencer en nous disant Keitzad kara va matir kemitvato. Illustre-moi donc comment est le cas du matir qui n'a pas été fait selon sa mitzva. Et la Mishnah va nous, Bezrat Hashem, va nous les expliquer longuement. Pour le moment, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.